Donc moi c'est Sylvain Poulet, donc j'ai 27 ans et je suis exploitant agricole à Saint-Jean-d'Alene, en production bovine. Je m'appelle Michel Morin, donc je suis né en juin 51, je suis marié avec 3 enfants. Aujourd'hui je suis retraité. Donc nous on est en GAEC, 4 associés en GAEC et un salarié à mi-temps. Deux associés travaillent sur tout ce qui est production bovine, porcine et puis céréales. Et deux travaillent sur tout ce qui est production de viande, enfin découpe et puis commercialisation. Au début, quand je me suis installé, on était en vaches laitières. Les vaches laitières étaient au détriment de tout le reste. Alors après, il y avait double activité, production de lait, production de viande. Et c'est vrai qu'après, on a augmenté la production de viande petit à petit pour arriver à arrêter complètement le lait en 85, je crois. Alors après, ça a été l'évolution, hein. 85, on a repris des terres des retraités voisins, ainsi de suite, on a grossi. Parce qu'au démarrage, on était à 25 hectares. Après, ça a grossi. On est toujours arrivé, on est arrivé à aller à 80, 90 hectares. Et puis, étant donné qu'on n'avait pas assez de surface, on mettait des bêtes en pension et on mettait beaucoup d'animaux en alpage. C'est grosso modo entre 600 et 700 porcs transformés sur l'année, ce qui représente 250 porcs en moyenne sur l'exploitation toute l'année. Après, tout ce qui est bovin, c'est 250 têtes, tout mélangé, vaches, veaux, génisses, tout âge. Et c'est à peu près entre 80 et 90 vélages par an. Tout ça réparti sur 220 hectares, 120 hectares d'herbe et 100 hectares de culture. Une bonne partie est faite en vente directe. Donc tout ce qui est production porcine est fait 100% en vente directe, vendu sur 3 points de vente, un à la ferme, un sur un magasin dépôt-vendeur et un magasin de producteur. Et puis après, tout ce qui est bovin, le bœuf et le veau sont vendus sur l'exploitation. Et puis tout ce qui est vache de réforme et broutard sont vendus à un marchand de bestiaux. Augmenter un petit peu encore les bovins, parce que c'est ma partie et que je l'aime. Et que aujourd'hui 80 vélages c'est très bien, mais l'objectif c'est d'aller à 100. Donc on va être 100-110 vélages par an, je pense qu'on aura une très bonne exploitation.